On est toujours, toujours heureux d'avoir Thierry Marx avec nous, je l'ai dit. Si je dois voter un jour pour quelqu'un, ça sera pour Thierry Marx. Voilà. On vient d'entendre un mot, et j'ai toujours voulu avoir votre réaction sur ce mot, c'est sur le mot « food porn », sur le hashtag « food porn ». Oui, enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une telle puissance d'image qu'à un moment donné, on est à la limite de l'écœurement par moment. Et je pense que si on emploie ce type food porn, c'est un élément de langage qui est assez fort, mais par moment, effectivement, il y a une surabondance d'images et plus assez de cuisine. Donc à un moment donné, on peut comprendre que trop, c'est trop, quoi. Il y a aussi un côté voyeur. Bien sûr, et puis il y a aussi garder à l'esprit que la cuisine, c'est donner envie à des gens en vie. Donc plus il y en a, plus on voit d'images, plus peut-être on a envie de faire la cuisine. Et c'est quelque chose de pas nocif finalement, parce que ce que je crois juste, c'est qu'on se remette tous à faire la cuisine. C'est le meilleur moyen quand même de protéger notre santé. On va y aller ensemble. Honor, votre nouveau restaurant gastronomique engagé vient d'ouvrir à Paris. C'est quoi un restaurant gastronomique engagé? Moi je connais le rap engagé. Oui, c'est pareil. Non, mais il y a des mecs conscients qui viennent dans le restaurant en disant l'État assassine. C'est peut-être pour faire venir le public, c'est ça. Non, un restaurant engagé, c'est vrai qu'on aime bien. Il y a 15 ans, à peu près une quinzaine d'années, on a créé des écoles d'inclusion et d'insertion. On a beaucoup travaillé sur des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, pour leur redonner un projet métier. Mais à un moment donné, il fallait aller plus loin. Il fallait créer des entreprises et des entreprises qui soient capables d'accueillir en leur sein des personnes pour les aider à monter en compétences et aller plus loin avec un véritable certificat de travail qui leur permette ensuite de trouver eux aussi la voie des chefs connus. Donc on a créé Honor. Et Honor, c'est division de on divise un peu l'impact carbone de l'assiette. On a des circuits extrêmement courts. On a travaillé avec Bleu Blanc Cœur pour avoir une agriculture extrêmement saine et que des bons produits, et avoir 10 à 15% de personnes en inclusion. Et ça, c'est fort parce qu'une partie du personnel est aussi acteur économique, c'est-à-dire les gens ont mis de l'argent et on est dans une économie sociale. Donc ce qui est intéressant, c'est... Et ce que l'on croit à Honor, c'est qu'il y a peut-être d'autres modèles économiques. On peut croire, et on est convaincu, qu'il faut que les entreprises fassent de la croissance. Mais est-ce que le mot croissance n'implique pas qu'on fasse une croissance en conscience, une croissance qui ait un impact social et un impact environnemental? Et c'est toute la raison d'être d'Honor, et qui finalement est la synthèse des 10 écoles d'inclusion et d'insertion que nous avons. On vit un moment particulier en ce moment en France avec le débat sur la réforme des retraites. Aujourd'hui encore la grève des agriculteurs, les problèmes que rencontrent les boulangers, les problèmes que rencontrent les jeunes. Vous, quand vous parlez à des gens qui sont en difficulté, vous êtes à la croisée de tous ces métiers-là en fait. Et on est à croisée de toutes les générations. Ouais. C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est qu'il faut redonner l'idée du projet. Pas forcément de l'emploi, pas forcément de parler de travail, mais simplement de projet. Bien souvent, on est enfermé dans un modèle qui n'est pas le bon, et finalement, on subit. On subit un petit peu trop de choses, et là, aujourd'hui, on parle des retraites, bien sûr. Nous, quand on regarde les retraites, on se dit, mais il y a un sujet, les seniors. On parle des retraites, mais on n'a pas parlé des seniors. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont licenciés à 50 ans, et on parle de rallonger le temps de travail. Enfin, il y a des incohérences comme ça de société sur lesquelles il faut beaucoup travailler, et l'économie sociale nous permet d'aborder ces sujets avec quasiment pas d'idéologie. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de politique parce que je trouve que dans la politique, il y a des fois un manque de solutions, or que dans l'associatif, on va chercher des solutions plutôt que des coupables. Et l'économie sociale me permet d'agir comme ça sur des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais des personnes qui, aujourd'hui, j'embauche des seniors. Il y a des gens qui me disent, moi, 4 heures par jour, j'aimerais bien, ce serait certes un complément de revenu, mais c'est aussi un complément social dont j'ai besoin. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de voir, de parler. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'en fait, quand on voit la façon dont on traite les problèmes sociaux, on nous parle d'insertion, de réinsertion, et limite, on déshumanise les citoyens français. C'est des chiffres, c'est des cases qu'ils doivent remplir. Vous vous dites, ce qu'il nous faut, c'est un projet humain, un projet qui dépasse juste notre fonction à la sécurité sociale. Et exactement, c'est-à-dire que ce qui nous a permis d'aider des personnes, aujourd'hui on a dû former 8500 personnes, on a 92% de retour à l'emploi, 7% de création d'entreprises chez des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, par moments en précarité. Donc à un moment donné, il y a des solutions, il faut les trouver. Et au travers de cette économie sociale, on arrive à trouver ces solutions pour retrouver l'idée du projet. Est-ce que vous croyez à une France qui peut s'unir ?
Je crois à une France qui peut se rassembler, oui. Mais pas au travers du monde politique. C'est ce qui me désole. Moi, j'entends la politique au sens étymologique du terme, mais des fois, dans la politique, cette volonté d'être élu, ben, bien souvent, nous fait mélanger trop de choses et de mettre trop d'idéologie. Le riche n'est pas fréquentable, le pauvre serait quelqu'un de très bien, le pauvre n'est pas quelqu'un de très bien et le riche est fréquentable. Tout ça, ça ne veut plus rien dire et je crois que le monde associatif, aujourd'hui, est en train de damer le pion avec cette économie sociale au monde politique. Pourquoi ? Parce que plutôt que de chercher des coupables, on cherche des solutions. Il n'y a pas d'idéologie dans ce qu'on fait. On se dit, qu'est-ce qui serait bien pour le tronc commun, pour l'ensemble de cette planète ? Et finalement, on arrive à inventer ces économies qui sont, à mon avis, une réponse à la non-performance. Aujourd'hui, vous avez un pays qui souffre, vous avez des pays qui souffrent, parce qu'on ne peut pas limiter ça à la France, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour l'honneur et d'autres qui travaillent pour l'argent. Mais aujourd'hui, cette fracture sociale, elle est quasiment plus supportable. Donc à mon avis, cette réponse de l'économie sociale, où ce n'est pas une économie de performance, mais une économie de croissance en conscience. Une croissance d'entreprise qui est normale, qui est actée, mais qui redonne un petit peu à l'impact social et à l'impact environnemental. Et je crois que dans ces solutions-là, eh bien, il y a le vivre ensemble qui s'installe assez facilement. Ça fait un long moment que vous venez sur le. Vous êtes déjà venu l'an dernier sur le plateau de Clic en parler. À chaque fois, c'est passionnant. On est tous très à l'écoute. Vous avez même écrit un livre qui s'appelle La philosophie de la libellule où vous racontez votre façon de faire. Ça nous passionne, cette idée du projet. Mais comment, concrètement, elle s'incarne ? Comment vous faites pour parler à quelqu'un d'un projet ? Qu'est-ce que c'est que ce projet, concrètement, qu'on comprenne ? C'est assez simple. Quand ils sont des gens très jeunes, c'est difficile d'expliquer un projet à quelqu'un qui est entre 12 et 15 ans et qui est des fois dans la difficulté de la cage d'escalier. Parce qu'on en parle souvent avec Mouloud, mais on sait ce que c'est. On a beaucoup de conversations aussi. C'est le meilleur critique sur lequel j'ai jamais assisté de ma vie. Et à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi le projet ? Alors, c'est quoi un projet ? Alors, des fois, quand c'est des gens très, très jeunes, je leur dis, mais quand tu prends un taxi, tu fais comment ? Je lui dis où je veux aller, sinon il me ramène et je vais tourner, je vais payer très cher. Bah, c'est ça, un projet, c'est une direction. Et mécaniquement, finalement, on parle de CAP, mais le CAP, le bac, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas de projet derrière. Pourquoi tu veux passer le bac ? Pourquoi tu veux le faire ? Et à ce moment-là, on voit immédiatement, physiquement, la personne qui se remet en verticalité, qui va finir par regarder au-dessus de la ligne d'horizon, qui voit au-dessus du quartier et qui se dit « Ah ben ouais, je vais avancer ». Et cette stratégie de la libellule, c'était de montrer tout simplement qu'une libellule, ça va à droite, ça va à gauche. Bien souvent, c'est un têtard qui devient un papillon majestueux. Il va à droite, il va à gauche, il monte, il descend, il cherche un axe pour passer, mais mécaniquement, il ne recule pas. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que les gens qui ont un petit peu réussi ou qui font le relief dans la société sont des gens qui ont plein de problèmes, qui ont des fois une extraction sociale extrêmement difficile, mais à un moment donné, quand ils ont eu un projet, ils n'ont pas reculé. Et ça, eh bien, sont des rôles modèles qu'on doit... c'est facile pour personne, c'est pas facile d'être sur ce plateau, de s'exprimer. Beaucoup de gens vous envient d'être sur ce plateau, mais ce qui est bien de leur dire, c'est-à-dire, t'as ta place sur ce plateau, mais il y a un peu de travail derrière. Donc tu peux viser d'être sur ce plateau, mais il va falloir construire quelque chose. Et aujourd'hui, la société est prête à l'entendre. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une donnée dont on parle très très peu dans la façon dont on engage les personnes en difficulté dans un projet, c'est l'honneur et la dignité. Oui. C'est de ramener ça au cœur du projet. Et puis surtout de ramener à la verticalité. Vous remarquerez que quand on a une difficulté, on va chercher un bouc émissaire, bien souvent on regarde ses pieds, c'est la faute de l'État, c'est la faute du quartier, l'école ne m'aime pas, etc. On va chercher un bouc émissaire. Et très souvent, dès lors qu'on replace en verticalité, qu'on se remet à avoir un projet finalement, et qu'on avance et qu'on accepte un petit peu la difficulté de ce projet, bah, finalement les choses se réalisent. Donc c'est assez simple de reprendre ces méthodologies-là, et puis de dire bah, finalement, stop, on arrête de renoncer. On arrête de renoncer. Et finalement, quand on a regardé cette société dans les années 70, où moi j'étais jeune adolescent dans les années 70, à un moment donné, quand j'ai quitté le quartier, notamment les Boulereaux, les Bois-l'Abbé, je me suis aperçu, quand j'ai voulu revenir dans le quartier, qu'il y a des gens qui avaient renoncé. Finalement, qui s'étaient laissés piéger par le quartier, c'est le quartier qui les a dominés. Donc à un moment donné, merci aux anciens qui m'ont dit « Non, barre-toi ». Prends un projet, tu veux faire quoi ? Avance, quitte le quartier. Je te rappelle la phrase d'un célèbre poète qui disait « La cité, c'est pas ta mère, et si tu crèves, elle aura d'autres enfants. » En tout cas, phrase très concrète, action très concrète de Thierry Marx, en 10 ans, vous avez permis à plus de 4000 personnes éloignées de l'emploi de prendre un nouveau départ dans la vie en se formant gratuitement au métier de la restauration. Et en 2024, vous allez ouvrir une 11e école et vous dites « Mon grand-père me disait toujours qu'avoir un emploi fait de toi un homme libre. » Pour vous, c'est quoi un homme libre ?
Un homme libre, c'est quelqu'un qui a un projet, on y revient. C'est vraiment quelqu'un qui entrevoit sa vie, qui commence à projeter des choses, qui vise quelque chose et qui va suivre le chemin. Et comme la route de la vie, elle est entre l'ordre et le désordre, il faut une certaine rectitude, une certaine discipline. Et c'est vrai qu'on a fini par avoir peur de certains mots en France. Rigueur, engagement, régularité, discipline, tout ça, c'est des mots qui étaient devenus non acceptables. Aujourd'hui, quand vous expliquez à une personne que rigueur, engagement, régularité, que la rigueur, c'est son projet. Donc, il faut y mettre de la rigueur. L'engagement, c'est de lâcher la main du passé. Quand le passé a été un peu compliqué, il faut lâcher cette main du passé. Et la régularité, c'est de faire tous les jours un petit peu pour atteindre l'objectif. Ben, c'est pas très compliqué, mais il faut se remettre en verticalité pour le faire. Et finalement, cette vie entre l'ordre et le désordre, et on est tous entre l'ordre et le désordre, bien, nous permet d'aller vers son destin, finalement, si tu crois en ton destin. Thierry Marx, j'aimerais qu'on reparle cuisine. Est-ce que vous regardez beaucoup de séries, de films ou d'émissions sur la cuisine ? Non. Non ? Vous n'avez même pas une scène culte ? Alors, sur les scènes cultes, oui, je suis comme tout le monde, j'ai des scènes cultes, comme le Gentleman d'Epson, où Jean Gabin goûte la cuisine du dedain bouffant de Funès. Oui, j'ai des scènes cultes, et celles du restaurant, bien sûr, qui me reviennent avec De Funès ou avec Coluche. Mais les émissions de cuisine, j'y ai participé, je les aime beaucoup. Elles donnent envie à beaucoup de jeunes gens de faire ce métier, donc j'ai pas de soucis. Mais par contre, je regarde des séries sur la cuisine, notamment deux séries qui m'aiment. On va en parler dans un instant. Ouais. Vous allez répondre au questionnaire de Clic. Et Pauline, tu vas nous parler de The Chef. Ouais, moi, c'est un film que j'ai adoré. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Thierry Marx. C'est un film qui se passe en fait à Londres, la veille d'un grand événement national. Et c'est un long plan séquence de 1h34, pardon, où on suit le chef et on comprend un peu mieux ce que c'est que la pression d'un chef. Tony, how long have you worked here, lad? I've been here. No, but it's Hobbs. It's Hobbs. Tony, how long have you worked here, son? Yeah. A year? He's saying you've got no fucking gloves on. Cross-contamination with the oysters. Oh, yeah, chef, put your fucking gloves on. Sorry. Put your gloves on, son. Now, sorry. Listen, Tony, you book your fucking ideas up, lad, because there's a million kids out there who would die for this fucking opportunity yes, that sir. You've been given. Yes, chef. Yeah? Yes, chef. Show some fucking respect. Respect your fucking self. Put yes, your sir. Fucking socks up. Sorry, chef. Yes. Et ce film, il est incroyable parce que vraiment, c'est un plan séquence, je le disais, d'1h34, donc on est avec lui non-stop, il y a une tension permanente jusqu'à la fin qui est assez incroyable. Ce qui m'a fait me demander aussi, vous concernant, est-ce que cette pression, elle n'est pas un peu solitaire parfois ? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on fait don de soi pour... on se bat un peu contre les marées, quoi ? Moi, j'aimerais pas me faire engueuler par Thierry Marx. Hein. C'est vrai que... Je ne vais pas vous faire le coup de la solitude du chef, mais elle est vraie dans la discipline de la cuisine, mais elle est aussi vraie dans la discipline de l'entreprise. À un moment donné, les décisions, c'est dans la rectitude de vos choix et vous êtes seul. On est seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis seul. Mais dans ce qu'on voit dans cette scène, c'est aussi un chef qui est dans la peur. Il n'a pas suffisamment anticipé, et on le ressent dans la scène. Donc, quand vous anticipez pas suffisamment dans nos métiers, eh bien, finalement, il y a ce moment de panique où vous allez délivrer le travail que vous allez à délivrer. Et évidemment, il y a ces moments que je n'aime pas beaucoup où vous allez prendre à partie une personne et vous défouler sur cette personne. Alors, évidemment, c'est la tension. Pourquoi il y a une tension, et je termine là-dessus, c'est qu'on ne va pas au restaurant parce qu'on a faim. Exactement. On va chercher au restaurant une expérience. Et quand on voit ce qui nous est présenté là, on va chercher une expérience de cuisine, une signature de cuisine, qu'on va aimer ou qu'on ne va pas aimer. On doit donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est ça, la cuisine. On donne de la mémoire à de l'éphémère. Donc, il y a une espèce de tension pour ce chef de ne pas être reconnu dans une légitimité de cuisinier d'autres auteurs. Et c'est comme un musicien, quand on lui dit « bah ça, c'était pas très bon ce soir », bah, il est déçu, il est mal, il a envie de tout abandonner. C'est ce que vivent les chefs qui veulent être des chefs auteurs, ce que nous revendiquons un petit peu en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ça crée une pression, à mon avis, bien souvent excessive. Thierry Marx, on va aller dans un sujet polémique. En face de vous, il y a Hakim Jemili. Oula. Hakim Jemili, il mène un combat pour les kebabs. Oui, oui. Ouais, ouais, monsieur Marx. Et je tiens à dire que... Oui. Lui, il s'insurge contre les kebabs avec des trucs de bobos dedans qui sont vendus super cher. Il s'insurge contre la gentrification du kebab. Oui, tout à fait, monsieur. Avec des graines de grenade. Et voilà, des avocats, ceci, cela, tout et, à... et Thierry Marx, vous avez fait un kebab. Oui. Oh non. Et, je le dis. Hein. Non, fallait non, je le dis, je le dis. Ouais. Il m'a éclaté. Ah ouais, c'est bon. Il était incroyable. C'était qu'il y avait quoi dedans bah, il va vous expliquer. Monsieur ouais, Marx. Non, j'ai fait un kebab volaille et un kebab agneau. Et je l'avais fait sur une mini broche. J'ai fait ça en 2004, en 2006. Après, j'ai gardé. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que je défends l'idée de la cuisine de rue. Pour moi, c'est un moteur d'intégration extrêmement intéressant.
et les kebabs que j'ai connus il y a très très longtemps dans le quartier, il y en avait des très très bons et il y en avait des très mauvais. Donc aujourd'hui, j'attaque jamais les kebabs, je leur dis juste faites le job. Et un de mes confrères a attaqué les kebabs en les traitant de tout, en disant qu'ils ne faisaient pas de la bonne cuisine, et c'est ça. Les kebabiers m'ont écrit, alors je ne sais pas si on dit kebabier, parce que j'ai entendu ça dans une... On dit kebabier. Les kebabiers m'ont écrit en disant regardez notre cahier des charges, aujourd'hui vous trouvez en France des gens qui font des kebabs, alors certes certains que vous n'aimez pas, peut-être parce qu'ils sont un petit peu dans la créativité excessive, mais en tout cas il y a des gens qui cherchent et qui démontrent qu'ils arrivent à faire avec des kebabs une nourriture extrêmement saine, extrêmement plaisante et qui donne du plaisir à des clients. C'est quoi la recette du vôtre comme ça, juste pour, ouais, juste pour voir. C'était épaules d'agneau et oignons confits, alors des oignons confits avec des dattes. Donc on faisait des... Ça commence à énerver, ça ne fait pas ça. Mais ce Marx, franchement, je vous adore, je vous aime bien, mais oula. Mais fallait goûter. Non, mais je vais goûter, mais oui, c'est trop tard. Enfin, est-ce qu'on peut vous réconcilier autour, par exemple, au hasard d'un kebab? Non, mais monsieur Marx, t'as vu comme... On peut rien lui dire. Même moi, quand je comprends quand tu dis j'ai envie de voter pour lui, moi aussi j'ai envie de voter pour vous. Non, donc là, je peux absolument rien dire à ce monsieur. Exactement. Et c'est l'heure du questionnaire de clic, Thierry Marx. Première question, Thierry Marx, votre temps d'écran. Alors, la vérité. La vérité, c'est 3h30 environ. Ça va d'écran. C'est beaucoup, mais en même temps, je fais tout sur le même écran. Donc, je suis un petit peu comme tout le monde, là, j'ai rien inventé de nouveau là-dessus. Mais par contre, je l'éteins pour dormir. Sur quelle application vous passez plus de temps? je peux le dire, je regarde quand je me détends, je regarde les applications Instagram sur le judo. Et parce qu'il y a des types qui sont tellement meilleurs que moi, ça m'agace. Sur quoi vous cliquez dès le réveil? J'éteins mon réveil. J'éteins la musique de mon réveil. C'est une très bonne technique. Mais vous vous réveillez quand même tôt, vers 6h du matin, c'est ça? 5h45. Ouais, 5h45. Et vous faites du sport et vous promenez le chien? Exactement, je vais courir d'abord avec le chien et après je vais au judo à Vincennes. Je sais tout de vous. Trop chaud. C'est bien. Sur quoi vous cliquez en secret, Thierry Marx? En secret, je ne saurais pas dire. J'ai pas de. Franchement, là, c'est compliqué. On va redire du judo. On va redire du judo parce que c'est. Karaté. Non. C'est vraiment le judo. Et alors, il y a des vrais. Je vais être franc. Je regarde sur les super forts. Je me dis, ils ont sûrement un truc que j'ai pas. C'est vrai en plus. Et puis, je clique sur les mythos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les types, c'est champion pour sortir d'une clé de bras, mais on a l'impression que l'autre, il est vraiment volontaire pour que la clé de bras sorte. Donc, il y a photo mytho et photo sérieuse, donc de temps en temps, je me détends un peu là-dessus. Ah, vous avez bien raison. Les gens que vous aimez, vous leur conseillez de cliquer sur quoi? Sur les applis food, vraiment, ouais. Sur tout ce qu'on peut trouver de bien, notamment sur aller chercher ce qu'est un bon produit, par exemple. Et ce que c'est qu'un bon produit, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a une application qui s'appelle Omi. Mm-hmm. C'est de l'épicerie qui est très abordable, avec des produits extrêmement bien sourcés sur de l'agriculture régénérative. Qualité des sols, qualité évidemment des produits qui sortent de ces sols, et puis une accessibilité très, très simple pour des clients qui veulent trouver de l'épicerie. Pourquoi je les vends l'épicerie en ligne? Parce qu'il faut avoir dans ses placards de quoi faire de la cuisine d'assemblage pour tous les jours. Sinon, on a le mauvais réflexe d'une appli et on mange de la cuisine industrielle. Donc quand on a une boîte de thon, un peu de riz de Camargue, pas trop cher ou des bonnes pâtes, finalement, on a quoi de se faire un plat de partage pour pas trop cher. Et ton de thon, je te ferai goûter les pâtes au thon. Yeah. Sur quelle série vous nous conseillez de cliquer? Apparemment, deux séries japonaises. La première, c'est laquelle? C'est Midnight Tokyo. Ouais. Je vous la recommande. Ouais. Et, magnifique, moi je l'ai regardé, c'est incroyable. Je conseille de cliquer dessus. Samurai aussi. Dinner, j'aime beaucoup. Alors, Samurai, c'est drôle parce que c'est un monsieur qui est à la retraite. Donc, pardon, on est en plein dans l'actu. Et qui s'ennuie. Donc, il va manger dans les restaurants. Et puis, il est très timide. Il est même un peu peureux, un peu lâche. Et de temps en temps, quand il y a trop de bruit dans un restaurant, il imagine qu'il y a un samouraï qui vient le sauver et qui fout un bordel monstre dans le restaurant. Donc, ça, c'est très drôle. Mais Midnight, je vous le recommande parce que je voudrais bien faire une série comme ça, française, autour de ce qui se passe autour d'un comptoir la nuit. Et vous avez tous les mondes autour d'un comptoir. Vous avez des gens qui sont chauffeurs de taxi, d'autres qui vivent la nuit. Et le cuisinier, là, entre autres, dans cette série, où le garçon devient le psy.
et pour 300 yens, quoi, parce que c'est des plats dans un izakaya entre 300 et 400 yens. Et en même temps, vous apprenez le japonais. Donc c'est, Thierry Marx, il nous reste 30 secondes avant la fin de l'émission, parce qu'on est en direct, j'ai un défi à vous lancer. 30 secondes pour nous donner une recette de qu'est-ce qu'on peut se faire à manger tranquille à la maison à la fin de l'émission. Très sympa, vous prenez 3 œufs, vous les battez fortement, vous faites préchauffer une poêle, vous versez le tout dans la poêle, vous tournez, vous tapez sur la queue de la poêle, elle va se plier, vous la roulez et vous avez une omelette. Omelette, allez ! Mais ça a l'air trop facile. Merci beaucoup Thierry Marx, merci d'être venu dans Clic. Votre restaurant Honor vient d'ouvrir à Paris et j'espère venir et je voulais vous féliciter pour toute votre action, pour le discours que vous portez. Ça fait du bien de vous écouter dans un pays qui ne va pas forcément bien, mais vous faites partie des gens qui font en sorte que le pays il ira pas forcément moins bien. Hey, ouais. C'est bon.